Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret de Galopa de Galarvé. Un coffret que j'ai trouvé absolument magnifique. La promo a l'air magnifique. Bon, la jumbo est pareil, mais du coup, également. Hop là, je vous le montre. Si vous voulez lire, du coup, vous faites une petite pause. Et je vais déceler ça et je vous retrouve tout de suite après. Le voici du coup décelé. J'en ai profité du coup pour mettre la carte promo sous pochette. Elle est vraiment très très belle. C'est la SWSH111. Hop là. Il y avait une petite protection du coup qui évite que la carte promo s'abîme quand on l'enlève. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Hop là. Elle est trop belle. Et du coup, on a sa version jumbo juste ici. Très belle aussi. Non, les jumbo normalement ne s'abîment pas trop. Et en booster, on en a 4. On a 2 styles de combat. Donc avec Chifour, c'est Pingoléon. On a du Clash des Rebelles et Lumière Interdite. Ah, mais c'est génial ça! Et le petit code qui est là juste pour vous. Bon, on va s'ouvrir ça. Bon, on va faire comme ça. Je vais laisser le Lumière Interdite pour la fin. Et on va commencer tout de suite avec le style de combat. Hop, je vais essayer de faire le petit zoom. Il n'a pas envie, je ne sais pas pourquoi. Hop là, c'est bon. On va voir si Chifours va nous porter chance. Je suis trop impatiente. À chaque fois que j'ouvre des boosters, je suis méga impatiente. J'ai trop envie. Et du coup, on commence avec un Electek. Ok, qui a l'air pas content du tout. Psystigris, Charpentier, Ramolos, hop là, Écrapince. Ensuite, on a une énergie combat. Frison. Colomar. Ok. Ensuite, on a un gros ré. J'aime pas du tout l'illustration. Pas du tout, même. Octillery, du coup, en rare ou holo reverse. Et on a Flagados de Galar en rare. Très joli. J'aime beaucoup. Il se fait manger le bras. Ça me fait penser à un épisode du coup du dessin animé Pokémon où ils étaient sur l'île des Flagados. Ensuite, deuxième booster, style de combat. Je crois que j'ai 2 cartes dans cette série. Une commune et une dresseur. Du coup, je la complète là vraiment. Hop là. Je suis surtout impatiente pour le Lumière Interdite, je sais pas pourquoi, je connais pas cette série. D'ailleurs, Clash des Rebelles non plus, mais Lumière Interdite me parle bien. Cerebou, Excellang, Electek, Psystigris, Charpentier, on revoit les mêmes cartes, c'est un peu dommage. Une énergie électrique. Ah, Vortante, celle-ci on l'avait pas vue encore. Ok. Ensuite, Jean Fleuret et Jean Targe. Scalproie. On a Mustard style 1000 points, d'accord, en reverse, et Dolman en rare. Pas de chance du tout sur les styles de combat, c'est fou. Hein. Bon, j'espère que ce petit coffret va être chanceux. Clash des Rebelles à présent, avec Gorithmique. Non, ne t'abîme pas, j'ai besoin de toi en bon état. Oh, il veut pas. Il veut pas du tout. On va essayer de l'autre côté. Voilà. C'est bon. J'ai pas abîmé le devant. Tout va bien. Attends. Ok, le code est à l'envers cette fois-ci. Bon, est-ce qu'on va avoir une belle carte dans cette ouverture? J'attends vos pronostics en commentaire avant de voir la suite. Du coup, on a Magma, Tout à fait de Galar, Aragdo. Nounourson, très joli. Donc c'est de qui? C'est de Sotaro. D'accord, j'aime beaucoup.
Smogo, une énergie eau, Pijako, j'aime pas du tout, Chrysapil, Moufleur, j'aime pas ce Pokémon, mais j'avoue que l'illustration est magnifique. Et cette fois-ci, c'est de Soso. Elle est vraiment très belle, j'adore. Pépite, du coup. En river, c'est ce qu'on va avoir, une pépite derrière. Oh là là. Bon, ça m'a coupé net. Qu'est-ce que ça va être? Pyrobut VMAX Rainbow. C'est la première fois, du coup, que j'ai une Rainbow. J'en avais pas du tout. Et j'avais hâte d'en voir une en vrai. Elle est magnifique. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Oh là là. Finalement, c'est le Clash des Rebelles que j'aurais dû garder à la fin. Elle est sublime. Waouh. J'adore. Bon. Je suis trop contente. Lumière interdite à présent. Est-ce qu'on va faire pareil? Ça serait fou. Je sais pas du tout ce qu'on peut avoir dans cette série. Je regarde souvent des ouvertures d'autres youtubeurs. Et je vous avoue que je suis pas encore tombée sur des vidéos de cette série. Donc suspense. Je vais découvrir les cartes. Venelgue. Elianso. Oh non, une version peut-être modelée. J'aime pas. Cradopo. Grenousse. Flabébé. Très joli. Tout mignon. Une énergie plante. Dimocles. Ok. Brutalibré. Roussil. Sunistrel en reverse. Je sais pas pourquoi je m'attendais à des cartes très jolies, très. Enfin, jolies non, mais plus, on va dire, côté effrayant. J'aime bien ce côté-là. Et bon, je vous avoue, je suis un peu déçue. Et on a du coup Exegide en rare. Bon, ben finalement, c'est le clash des rebelles qui aura été exceptionnel avec le Pyrobut VMAX Rainbow. Et du coup, on a la petite carte promo de Galopa de Galar V qui est juste magnifique. Très très contente de ce coffret. Bon ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.